9 choses totalement haram, interdites pour les hommes en islam. Partagez cette vidéo autour de vous avec tout le monde, pour obtenir de bonnes actions, et partagez un rappel islamique. Qu'Allah récompense tous ceux qui ont partagé cette vidéo. 1. Il est interdit pour un homme de toucher une femme qui n'est pas son mahram. En gros, un homme ne peut pas toucher une femme avec qui il peut se marier. 2. Ne pas respecter les parents. Allah dit dans le Coran, ne leur dites pas, uff, un mot ou une expression de colère ou de mépris. Et ne les grondez pas, et adressez-vous à eux avec des paroles respectueuses. 3. Il est interdit pour un homme musulman de épouser une athée. Avant de continuer, j'ai une question à vous poser, répondez-moi dans les commentaires. Quels sont les deux anges qui ont été envoyés à Babylone? 4. Fuir le champ de bataille, c'est un péché. 5. Fumer ou boire l'alcool. 6. Prendre la riba, l'usure. Prendre l'usure est un grand péché, et Allah dit dans le Coran que si vous prenez l'usure, vous avez fait la guerre à Allah et à son messager. 7. Imiter les femmes, en faisant des choses comme les femmes, ou en portant des vêtements comme ceux des femmes. 8. Avoir plus de 4 femmes. Maintenant, certaines diront, mais alors pourquoi le prophète avait 11 femmes? Écoutez, le prophète était quelqu'un de spécial. Vous n'êtes pas le prophète. C'est écrit dans le Coran que les prophètes ont certains droits que nous n'avons pas. 9. Être arrogant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui a le poids d'un atome d'arrogance dans son cœur n'entrera au paradis. Je vous demande de partager cette vidéo un max possible, afin que chaque homme puisse voir et puisse comprendre ce qu'il a le droit, et ce qu'il n'a pas le droit.